Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, selon le fuseau horaire que vous avez. Eh bien, je ne parle pas souvent, mais au nom du droit à la parole, je me permets de donner mon point de vue aujourd'hui. Il y a eu du nouveau. Je vous annonce que nous avons désormais un nouveau président en un. C'est drôle, n'est-ce pas? Un nouveau président en un. Oui, bien sûr, il s'agit toujours du même président, mais il a changé. Il a pris toute une autre face. Ce n'est pas le Félix Tshisekedi Tshilombo qu'on a connu en 2019. Selon mon point de vue, il a changé. Nous avons désormais un président que nous voulions. Un président qui parle d'un ton autoritaire et qui réagit au bon moment. Et voilà. Il a apostrophé le cardinal Ambongo et sa compagnie pour défendre son pouvoir, pour défendre le peuple congolais, pour défendre l'unité des Congolais, pour combattre le tribalisme. Le tribalisme prêché partout par le cardinal Ambongo. Le président a eu des forces à partir même de l'homélie de celui qu'on appelle l'ambassadeur du pape, le nonce apostolique. Le nonce apostolique l'a réprimandé avec les autres évêques. Et c'est à partir de là que le président aussi a eu le courage de parler en tant que président avec un ton autoritaire. Que l'église devrait se trouver au milieu du village, prêcher l'amour comme le Christ l'a prêché. Prêcher l'amour, non la division, non le tribalisme. Je vais vous faire écouter un audio d'un texte publié par Congo Synthèse. Ensuite, je vais vous montrer les images de son speech en Mbujimayi où il est parti assister au jubilé d'argent de 25 ans de Monseigneur Kassanda. Suivez, chers compatriotes. Chers compatriotes, il s'agit d'un texte de Congo Synthèse. Félix Tshisekedi.
L'État et l'Église ont l'obligation de collaborer. Parmi vous, certains ont pris une tendance dangereuse qui pourrait nous diviser. Je n'accepterai pas une telle dérive, a déclaré le président Tshisekedi lors du jubilé d'argent de Mgr Kassanda. À Mbujimayi, Félix Tshisekedi s'est montré menaçant. Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation des libertés, etc., dit Félix Tshisekedi en Mbujimayi, promettant d'être intransigeant sur cette question. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit, prévient le chef de l'État. Je reprends encore une fois Félix Tshisekedi. L'État et l'Église ont l'obligation de collaborer. Parmi vous, certains ont pris une tendance dangereuse qui pourrait nous diviser. Je n'accepterai pas une telle dérive, a déclaré le président Tshisekedi lors du jubilé d'argent de Mgr Kassanda. À Mbujimayi, Félix Tshisekedi s'est montré menaçant. Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation des libertés, etc., dit Félix Tshisekedi à Mbujimayi, promettant d'être intransigeant sur cette question. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit, prévient le chef de l'État. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit, prévient le chef de l'État. C'est l'occasion pour moi de le dire à la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Une dérive que je qualifierais de dangereuse, surtout en cette année électorale. L'Église doit être au milieu des villages. Ici, je sais en train de dire, l'Église doit être au milieu des Congolais. Elle doit prêcher l'amour, l'unité et l'égalité. L'Église doit accompagner toutes les filles et tous les fils de la République qui sont en politique de la même manière, sans distinction aucune. Car il y va de la stabilité de notre cher pays. Et je sais que vous, Mgr Mbembe, que vous, Mgr Kassanda, vous comprenez cela de la plus belle manière. Mais il se fait que parmi vous, il y a malheureusement quelques personnes qui ont pris une tendance dangereuse qui risquerait de diviser notre nation. En tant que garant de l'unité de cette nation, je me sens obligé de dire que je n'accepterai jamais une telle dérive. Parce que j'y crois à entretenir les meilleures relations avec l'Église en général et l'Église catholique. Je vais terminer mon propos en réaffirmant encore
ma détermination à garder ce pays uni et à le pacifier. Je ne reculerai pas devant les menaces et les intimidations. J'ai passé quasiment les trois quarts de ma vie à combattre aux côtés d'un grand homme. Étienne Tshisekedi, cet homme m'a appris l'amour du Congo et des Congolais. Et donc, je ne serai jamais, au grand jamais, le fossoyeur du Congo et des Congolais. En revanche, je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce que l'on dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Parce que démocrate je suis, je resterai. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit dans ce domaine. Ici, je suis tenté de dire, l'Église doit être au milieu des Congolais. Elle doit prêcher l'amour, l'unité et l'égalité. L'Église doit accompagner toutes les filles et tous les fils de la République qui sont en politique de la même manière, sans distinction aucune, car il y va de la stabilité de notre cher pays. Et je sais que vous, Monseigneur Moutembi, que vous, Monseigneur Katanda, vous comprenez cela de la plus belle manière. Et il se fait que parmi vous, il y a malheureusement quelques personnes qui ont pris une tendance dangereuse qui risquerait de diviser notre nation. En tant que garant de l'unité de cette nation, je me sens obligé de dire que je n'accepterai jamais une telle défaite. Je continuerai, parce que j'y crois, à entretenir les meilleures relations avec l'Église en général et l'Église catholique en particulier. Je ne lésinerai sur aucun moyen pour aider cette institution qui nous est si chère et qui est si chère à mon cœur, pour qu'elle se solidifie et qu'elle reprenne son combat que nous avons toujours admiré, le combat qui a fait de nous aujourd'hui des hommes et des femmes éduqués, remplis de valeurs. Oui, c'est grâce à cette Église que je veux revoir, prendre le devant pour nous aider à relever ce Congo qui est malheureusement terrassé à cause des anti-valeurs telles que la corruption, telles que le tribalisme, telles que le séparatisme, telles que l'impunité et j'en passe. Je sais que je peux compter sur vous et sur Dieu pour que cela demeure et soit toujours permanent, c'est-à-dire une relation excellente entre l'Église catholique et l'État. Je vais terminer mon propos en
réaffirmant encore ma détermination à garder le pays uni et à le pacifier. Je ne reculerai pas devant les menaces et les intimidations en tout temps. J'ai passé quasiment les trois quarts de ma vie à combattre aux côtés d'un grand homme. J'ai cité Étienne Tshisekedi, roi Mulumba, heureux c'est moi. Cet homme m'a appris l'amour du Congo et des Congolais. Et donc, je ne ferai jamais, au grand jamais, le fossoyeur du Congo et des Congolais. En revanche, je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. C'est ça, Patrice Bacon. Peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, oui. Privation de liberté, oui. Je n'en démordrai pas. Parce que démocrate je suis, démocrate je resterai. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit dans ce domaine. J'ai la chance de protéger et de garantir le bien-être de tous les Congolais, de quelque bord politique qu'ils soient, religieux ou autre idéologique, et donc je ne lésinerai sur aucun moyen pour remplir ma mission du mieux que ce soit. C'est l'histoire et Dieu qui me jugent. Monseigneur Emmanuel Bernard, encore une fois, je voudrais vous remercier d'être l'homme que vous êtes et de m'avoir associé à cette célébration mémorable et inoubliable. Je suis heureux d'y avoir participé et d'y avoir aussi apporté ma contribution. Je vous souhaite bonne chance, plein succès pour tout ce qui vous reste encore à remplir comme tâche dans notre chère province et dans ce diocèse de Louisimane. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Zambi akutwa mpanda. Panda kabiki yandilonda.